Vendredi 9 novembre 2018, 7h du matin, nous quittons définitivement notre hôtel à Luang Prabang. Nous partons en autocar direction Vang Vieng. Nous empruntons la route de montagne numéro 13 qui est réputée pour son insécurité et son très mauvais état. Nous allons passer de 296 mètres d'altitude à 1400 mètres d'altitude pour redescendre à 235 mètres. Ma petite caméra d'action qui est plaquée sur le pare-brise de l'autocar est réglée à l'heure d'été en France. Donc pour avoir l'heure au Laos, il faut ajouter 5 heures. Cette route est parfois coupée par des éboulements. Prenons de l'altitude, il y a de la brume.
dresse et l'écorce. Thank you.
La route numéro 13 débute à Boten, à la frontière chinoise. Ensuite, elle se dirige vers Luang Prabang pour, après, traverser les montagnes où nous sommes actuellement et passer à Fukun, où nous allons bientôt nous arrêter pour le déjeuner. Nous avons un très bon chauffeur qui connaît parfaitement cette route dangereuse. Nous nous arrêtons pour déjeuner. Cela va faire 6h20 que nous roulons. Nous sommes dans la région de Fukun. La pluie se met à tomber abondamment. Vu le mauvais état de la route, l'une des roues arrière de l'autocar est crevée. Notre brave chauffeur remplace cette roue
sous la pluie. Vendredi 9 novembre, nous quittons le restaurant du déjeuner. Nous continuons la route numéro 13 sous la pluie. Après Vang Vien, où nous nous rendons, la route numéro 13 continue vers la capitale Vientiane et se prolonge jusqu'au Cambodge. Pendant un certain temps, elle suit les méandres du Mékong. La route numéro 13 est redescendue dans la plaine.
Paulina.